chers petits amis, je vous souhaite la bienvenue à notre série Les héros bibliques. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment de nous assister alors que nous allons parler de notre héros de la Bible. Assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Les héros de la Bible, aujourd'hui, j'ai une histoire exceptionnelle à vous raconter. Elle parle de feu, de pluie, d'eau, de prière. Mais avant, nous allons lire notre verset. Un roi 18, le verset 37, dit, Cet roi éternel qui est Dieu. Voici le titre de notre histoire. Élie, le prophète qui n'a pas peur. Voici le roi Akab. Akab aurait pu être un très bon roi, mais il a décidé, alors qu'il connaissait le vrai Dieu, d'adorer de faux dieux qu'on appelle Baal et Astarté. Et en cela, il est suivi par sa femme, Jézabel. En plus, non seulement Acab adore les faux dieux, mais il invite le peuple à faire de même. Ce qui est grave pour un dirigeant. Et lorsque vous ne voulez pas adorer Baal et Astarté, vous êtes chassé du pays à coups de pierre. Et si un prophète de Dieu parlait en faveur du vrai Dieu, lui aussi était chassé et même mis à mort. Un jour, le roi est dans son palais. Il entend une voix tonitruante qui commence à parler une voix qui parle fort, qui entre dans le palais. Akab est surpris et il se demande, mais que se passe-t-il Ses gardes aussi sont effrayés et on voit avancer quelqu'un. Cette personne, c'est le prophète Élie. Et il donne une sentence. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, dit le Seigneur des armées. Les gens écoutent, sont surpris, ne font pas trop attention au message. Ils font surtout attention à celui qui délivre le message. Et ils veulent le poursuivre. Mais Elie part à toute vitesse et on ne le retrouve pas. Après quelque temps, les bêtes commencent à mourir. Plus de pâturage, plus d'eau, plus de pluie, même dans les maisons. Les gens n'ont plus rien à manger dans leur assiette. Ils sont vraiment tristes et découragés. Akab voit toute sa verdure se changer en désert et Akab ne sait plus quoi faire. Alors, il demande à ses dirigeants d'aller chercher Elie, allez le trouver et ramenez-le-moi. Les dirigeants reviennent. Et ils sont effrayés parce que Akab veut les tuer parce qu'ils n'ont pas trouvé Élie. Et Akab leur dit, retournez le chercher. Élie apprend qu'Akab le recherche. Et l'Éternel lui dit, va te montrer à Akab. Alors qu'Élie part pour se montrer à Akab, il rencontre Obadiah, le serviteur d'Akab. Et il dit à Obadiah, Va dire à ton maître que je suis ici et qu'il peut venir me voir. Obadiah a peur. Obadiah se dit, mais si je dis à mon maître qu'Elie est ici et dès que j'ai tourné le dos, Elie disparaît, je serai mise à mort. Mais Elie lui dit, non, tu peux aller lui dire que je suis ici. Et c'est ce qu'Obadiah fait. Il va dire à Akab. Le prophète Élie est là et il veut te voir. Le prophète arrive face au roi. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur du roi du tout. Et le roi s'approche, fâché, et lui dit, est-ce toi qui troubles Israël ainsi Et Élie lui dit, non, au contraire, c'est toi qui troubles Israël parce que tu adores. Baal, qui est le Dieu de la pluie et du soleil, et tu crois que Baal va te donner de la pluie, que Baal va te donner du soleil, qu'il te donnera à manger pour tes animaux et pour ton peuple? C'est toi qui troubles Israël, et tu devrais revenir au vrai Dieu. Acab ne dit rien, il écoute, et Elie lui donne un autre message. Va, rassemble tout le peuple au mont Carmel, rassemble tous les prophètes de Baal au mont Carmel. Et venez, nous allons avoir une expérience qui nous dira qui est le vrai Dieu. Et Elie lui dit, va chercher le peuple à cap descend, et il fait une grande convocation. Tout le monde arrive, pressé de savoir ce qui va se passer. Après toutes ces années de sécheresse, trois ans, le peuple arrive, Élie arrive, les prophètes de Baal arrivent aussi, et tout le monde regarde ce qui va se passer. Le peuple est trop loin et il attend les ordres qu'Élie va donner. Élie s'approche des prophètes de Baal et il leur dit vous allez faire un autel. Vous allez mettre votre sacrifice dessus. Et ensuite, vous allez appeler Baal. Vous allez invoquer Baal à votre secours. Et moi aussi, je ferai un hôtel. Je mettrai mon sacrifice dessus et j'appellerai appelle, Dieu à notre secours. Et nous verrons. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Et tout le monde lui dit, OK, d'accord, on va faire cela. Et le peuple est d'accord aussi. Les prêtres de Baal sont d'accord. Ils montent leur hôtel, ils mettent dessus le sacrifice et ils commencent à invoquer leur Dieu. Et ils crient, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Ils dansent, ils chantent, ils crient. « Baal, réponds-nous Baal, réponds-nous » Toute la journée, pas de réponse. Alors, vers le soir, Elie se moque d'eux. Elie leur dit « Peut-être que Baal dort, criez plus fort Peut-être que Baal est parti en voyage Baal ne vous entend pas !» Et si c'était aujourd'hui, on aurait pu dire « Mais ben, envoyez-lui un email. Et voilà qu'ils commencent encore à encore crier. Baal, réponds-nous! Baal, réponds-nous! Et ils se font des incisions. Ils se coupent pour que le sang puisse sortir. Pour que Baal voit comment ils aiment leur Baal, leur Dieu Baal. Et ils mettent du sang sur eux. Alors, ils crient. Baal, réponds! Baal, réponds! Finalement, vers le soir, Baal n'a toujours pas répondu. Alors Élie leur dit, maintenant c'est à mon tour. Élie prend les douze pierres qui représentent les douze tribus d'Israël de l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie a refait l'autel, il a mis le sacrifice dessus et Élie va faire quelque chose d'extraordinaire après avoir mis le sacrifice sur l'autel. Élie va creuser une tranchée, c'est-à-dire comme un canal autour des pierres et autour de l'autel. Élie va creuser, creuser et ensuite, il demande de l'aide. Il dit aux gens maintenant que j'ai fait cette tranchée, allez chercher de l'eau et versez de l'eau sur le sacrifice, sur le bois, jusqu'à ce que les tranchées soient remplies. Ok, le peuple fait ça, on aide Élie à verser de l'eau, pour que l'on soit sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Et voilà qu'Élie maintenant s'approche de son autel, et il se met à prier, éternel Dieu d'Israël s'il te plaît, permets au peuple de savoir maintenant que c'est toi qui m'a demandé de faire cela et que c'est toi qui es le vrai Dieu. Permets que le peuple revienne à toi, qu'il revienne t'adorer au lieu d'adorer Baal. Et il avait à peine fini de parler que le feu est descendu du ciel à consumer l'holocauste et le peuple. S'est prosterné par terre et ils ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'eau a été consumée par le feu, le sacrifice a été consumé par le feu. Et la Bible nous dit, même la poussière a été séchée par le feu. Alors à ce moment-là, Elie commence à penser à la pluie. Et il envoie son serviteur regarder sur la montagne. Est-ce qu'il voit quelque chose? Et il se met à prier et lui dit, va voir si tu vois la pluie qui arrive. Et le serviteur retourne une première fois et lui dit, non, il n'y a rien. Une deuxième fois, le serviteur retourne et lui dit, non, non, il n'y a rien. Je ne vois rien. Et cette fois, Elie lui dit, va voir. Et à la septième fois, il dit je vois un petit nuage comme la grosseur de la main d'un homme qui avance et à ce moment-là Élie lui dit la pluie arrive va dire à Akab de descendre mes chers amis c'est l'éternel qui est le vrai dieu c'est lui le dieu tout puissant Élie a fait preuve de courage de foi de confiance en Dieu seul Devant tout le monde, devant tout le peuple, devant tous les prophètes de Baal, il a osé affirmer que c'est l'Éternel, le vrai Dieu. Que le Seigneur vous aide, vous aussi, à ne pas baisser la tête et à faire comme Élie, à être confiant en l'Éternel, parce que c'est lui, le seul vrai Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi comme Élie. À être ton témoin en toutes circonstances sans avoir peur des moqueries. Au nom de Jésus, Amen. Je vous remercie, chers petits amis, d'avoir écouté cette histoire qui est vraiment une histoire exceptionnelle d'un héros de la Bible qui s'appelle le prophète Élie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une autre fois pour un héros aussi exceptionnel que celui-là. Au revoir